Après les échauffourées entre les syndicats et les chauffeurs des nouveaux minibus abidjanais lors de la mise en circulation de ces derniers dans la commune d'Abobo, la cohabitation s'annonce difficile. Ce chef syndicat appelle les conducteurs des véhicules abidjanais à se conformer aux lois et statuts de la corporation. Pourquoi on s'opposait à ça? Parce qu'ils ne veulent pas se confronter à la statut règlement du syndicat. Donc c'est tout à fait normal qui se confronte à la loi syndicale. Il doit payer le chargement comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut qu'il se confronte à la loi, à la statut du règlement du syndicat. Nous avons plus que 1000 baka dans la commune d'Abobo. Si eux se sont confrontés à la loi et à la statut du règlement du syndicat, mais pourquoi pas 15 véhicules? Nous ne pouvons pas détruire 1000 baka à cause de 15 véhicules. Donc c'est tout, sinon on n'a pas de problème à eux. Du côté des chauffeurs des minibus, ils appellent les syndicats à dialoguer avec l'État ivoirien afin de trouver une solution pour le bien-être de tous. S'ils veulent avoir des rançons sous chargement, il faut qu'ils s'adressent à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné ses véhicules pour rouler. Maintenant, on nous a dit que nous avons des laissés passer. En tout cas, nous roulons ces véhicules pour voir pour le projet. Donc nous, on ne peut pas payer quelqu'un dans ces conditions-là. Voilà. Donc nous avons décidé de ne pas payer quelque chose. En attendant un accord, ils demandent de mettre bas la terre afin de mieux travailler ensemble. Il y a des chauffeurs de Bora, c'est ça, il y a eu. Donc c'est pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils arrêtent de la même famille. Bon, Dieu merci qu'ils commencent à comprendre maintenant, la même famille, et ensemble, on peut travailler ensemble. Et aussi, il y a les prochaines vagues. Peut-être nous venons pouvoir passer à certains parmi eux aussi, voilà, pour que nous tous sortons gagnants dedans. Rappelons que ces véhicules abidjanais sont en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon depuis le 1er mai 2023.